Non, dis bon Dieu merci et nous saluons tout le monde, au nom et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà chanter ensemble le numéro 307 en français, quelle assurance je suis sauvé. Nous appelons pour suivre un service du dimanche 13 décembre dans l'église de Dieu, puissance de l'évangile en action. Quelle assurance, je suis sauvé.
Dieu d'amour, Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, nous adorons au matin, en bon louange, honneur, une seule vérité, Seigneur. Et matin, mon Dieu, par mon Lord, pour t'adorer, par mon Lord, tant que vous, Seigneur, dans les cieux et sur la terre, pour nous t'avoir gloire, matin, mon Dieu, parce que c'est vous, une seule qui mérite gloire, c'est vous, une seule qui mérite exaltation, mon Dieu, car Seigneur, Dieu puissant, dans le ciel là, sans joie, va adorer, mon Dieu, sans joie, va jamais fatiguer. Oh Seigneur, les chérubins, les archanges, mon Dieu, à m'adorer, mon Dieu, à avoir gloire. Et puis, c'est l'éternel, les armées. Et mon Dieu, tout ciel, là, nous prie à gloire avec puissance au matin, alléluia. Nous bénissons, mon Dieu, nous exaltons. Les vingt-quatre vieillards, mon Dieu, nous mettons devant toi, mon Dieu, à m'adorer. Et à tout le monde, nous rangeons une seule vérité, Seigneur. Parce que c'est une seule vérité d'être adoré. C'est une seule vérité d'être loué, mon Dieu, d'amour. Et maintenant, mon Dieu, mais l'église au Seigneur qui unit Kayo avec l'ange, oh mon Dieu, qui est dans le ciel, là, mon Dieu, pour l'exalter, non, mon Dieu. Et nous te remercions, mon Dieu, pour grandeur qui est extraordinaire. Nous te remercions, mon Dieu, pour puissance qui est efficace. Nous te remercions, mon Dieu, pour puissance parce que sans pareil, pour sans égal, pour sans rival, mon Dieu. C'est pour ça, mon Dieu, papa, maintenant, on a pas adoré au Seigneur. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fiel ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ici de méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et l'Église dit, Amen. L'Église dit, Amen. Pendant qu'on campait à lever, mais on allait, tu bénis sois l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Moi, levé, yeux, m'enlève. Marque des cieux là, mon web et qui campe tout la terre, car ça t'a capé la terre. On va pêcher les mains de t'écraser, mon visage au fond des chenets, on fait de nos péchés. Mais Jésus capé, dit, bataille là, c'est pour moi, et moi ma guerrière. Yeah.
Bon Dieu, merci. Parce que nous connaissons la fête pour Céline Davalco. Quand tu pries pour Céline Davalco, il fait. Bon Dieu, fais un pile. Quand tu pries pour Céline Davalco, et bon Dieu, capable, quand tu bénis, nous va la santé, il prend le pile loin déjà. Il va la victoire. Je me dis, bon Dieu, merci. Priez pour tout le monde qui parle. Et tout bien aimé, tout jeune, nous prions pour les jeunes. Pas jamais dit les jeunes de la prière. Parce que situation à cause d'un pile refroidissement, la carte pile bien aimée, continue à prier pour une autre, et bon Dieu va faire grâce. Et nous dit bon Dieu merci d'avance. Continue à prier pour nos musiciens, que bon Dieu va toujours toucher eux et bénir eux, qu'un peu en ligne l'évangile. Et continue à prier une pour l'autre, pour vie personnelle. Pour capable toujours qu'aimer la foi jusqu'à la victoire finale. C'est pas qu'aimer la foi un jour et demain la guerre. Qu'aimer ferme. Amen. Qu'aimer ferme et que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Qu'aimer la foi. Non pas mon cap la guerre la foi, mais c'est mon cap qu'aimer la foi pour sauver leur âme, pour sauver l'âme. Gloire à Dieu pour 10, 39. On dit bon Dieu merci. Et qu'on y a, nous rappelons que Timon Haïti a continué à dire bon Dieu merci et continuer à prier pour Mission Haïti. Nous avons besoin de chaque monde dans le travail pour l'avancement du royaume et que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Et surtout, priez pour jeunes, pour parents. Qu'on est arrivé dans un moment pour collecter l'offrande de l'Assemblée et au même qui a une possibilité que bon Dieu ait un moyen pour exercer la foi. Ce moment-là va passer devant. Il faut lancer un galon pour nous, s'il vous plaît. Pas oublier le galon ici. Et au même qui est habitué à faire la. Virtuel, online, WhatsApp, Zelle, Cash App, on va toujours faire comme ça. Priez pour Frère Hans qui parle à la journée jeudi. Et je crois que pour Alléluia arriver, côté au pas arriver. Est-ce que vous croyez ça, c'est juni? Gloire à Dieu. Mais d'approcher, maintenant, avancer. Thank you.
à venir approcher avec nous. Dis-nous, offrande et ta main de ton côté puissant, Seigneur. Nous nous remercions de soumettre à chaque bon désir, Seigneur, pour nous approcher, pour nous approcher devant nous, Seigneur, pour nous déposer par les mains. Et ça, ta vie, maille, qui va gagner nos mains. Et ça, Seigneur, qui t'a besoin de travail, Seigneur, pour apporter par les mains. Papa, en mission, tu vas bénir et l'offre de que tu veux, car on avance avec Patima. Seigneur, nous va prier, nous va prier, mais nous prions au nom de Jésus de Nazareth, qui est une autorité de pouvoir lui servir la gloire, là où on est au ciel et au ciel. Amen. Gloire à Dieu, nom bon Dieu, merci. Et nous connaissons que vendredi qui va 25, vendredi qui va 25 décembre, pas qu'un étude, et vendredi qui va 1er janvier aussi bien, nous pas qu'un étude sur radio, comme nous on fait étude chaque soir et chaque vendredi soir, mais vendredi qui va 25 décembre et vendredi qui va 1er janvier par étude. Et c'est ça que nous voulons dire. Et pas oublier tout, nous gagnons un devoir avec Timon Haïti qui a fêté. Je dépends de nous pour fêter. Et nous avons un groupe vraiment qui a fait un bon travail. Qui a kembe Timon Haïti, sous ta image Timon Haïti qui a performé. Et au grand réveil, il y a même à diriger, il y a même à prêcher Timonio. Ça veut dire que le grand réveil qui est éclaté dans Timonio. Timonio a fait réveil. Ça, c'est une belle bagaille dans l'église de Hogan. Nous avons toujours payé l'école pour plusieurs Timon, Côte de Fer et les Hogan. Ou même qui peut qu'on fait ça, fait ça. Nous avons bien aimé qui va être même membre de l'église là. Nous n'avons pas voulu aborder lui parce que il n'est pas même membre de l'église là. On t'a dit, songez l'école Timonio. Et puis, bon, je fais lui-même, il nous a dit, je vais vous parler de Timonio à Nisa. Donc, il a déjà envoyé une contribution pour l'école Timonio. Ou même qu'il y ait sans cœur, ou voyons Timon l'école, c'est déjà beaucoup. Je dis, bon Dieu, merci. Voyons Timon l'école. Dans l'église Léogane au Côte de Fer. Et Timonio a toujours fêté. En demain qu'on a Haïti, dans l'époque décembre, nous avons fait une enveloppe cash. Nous avons fait des bons gestes avec eux, fêter, mais en Nessa, en demain pas qu'on a Haïti. Nous avons déjà envoyé par le monde qui est responsable à nous dire que nous avons envoyé pour lui. Pour lui capable de fêter avec Timonio quand même. Et offrande là, nous allons faire une offrande spéciale. Une offrande de générosité pour Timon Haïti pour fêter à Nessa. Ou même qui t'a vraiment petit monde fêté. Longueur que au cas longer bien longer. Parce que grand petit monde qui a réjoui. Nous avons regardé comment Haïti est. Nous voyons que tout le monde qui a vu Haïti, vraiment c'est héros qui est. Et continuez à prier pour le pays d'Haïti. Parce que quand il n'y avait pas tant de monde qui gagne, petit machin, quand notre Dieu kidnappé un machin de saucisse. Donc, ça veut dire que bah, il y a une pitié. Puis pour être comme il a demandé, côté de machin, pour côté de la vie, pour demander 100 millions de dollars, bête. 1 million de dollars. 2 millions de dollars. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Peuple haïtien a besoin d'aide dans la prière. Et nous demandons, frère NC, il va faire offrande ça pour nous. Que ou même capable de mettre longueur que met en calogé. Et la musique va jouer pour nous quelque chose pendant que vous faites la fête. Mettez passer devant chaque monde. Fais ça, songez, c'est quand vous sautez, songez bien, petit mon Haïti. Yeah.
avez rivé le sang. Nous avons également deux heures à boutique nous fêter. Nous avons 8 pour lever le sang. Merci, Sobona. Rivé. Oh, gloire à Dieu. Fonial. Salut. Moi, nous ne sommes pas la mathématique. Nous avons 102 pour Timonio. Bon Dieu, qu'on va bénir. Nous croyons que bon Dieu va faire grâce. Et continuez à nous voir que bon Dieu a fait grâce. Radio Puissance a augmenté. Abonnez-nous. Continuez à intéresser chacun de monde. Abonnez-vous beaucoup. Abonnez-vous sur le téléphone. Sur le channel Puissance. Abonnez, faites ça. Et pas oublier tout ça qui fait là sur YouTube. Faut utiliser sur YouTube et pour capable et tenter ça que t'es fait. Conseil d'adoration que t'es fait dimanche. Je pense que tout le monde est déjà là sur YouTube pour après tenter encore. Parce que comme musique nous tenter plusieurs fois. Tellement là, on va tenter de sentir bien. Allez sur YouTube, tout ça que nous faisons, ni message, ni étude biblique, tout sur YouTube. Moi, que grand monde qui dit dernièrement et Kiki. Et de Lucien Petitka, qui est toujours de l'église là, de loin, il dit donc, il y a moi seulement qui attendent sur YouTube. So, nous avons même pour l'église là motivé, tant de messages sur YouTube, tant d'études sur YouTube, et surtout abonnez, 10 millions, 10 millions, abonnez sur ce channel là. Parce que, il paraît impossible, mais tout est possible. Et en train d'arriver avec 1000 abonnés, actuellement nous avons 701 abonnés. Si nous tous faisons ce travail-là, nous allons arriver. Nous avons Frère Bertolos qui réellement aidé dans un petit moment. Il fait près de 30 000 abonnés. Bertolos, et bon Dieu qui va bénir. Fais ça au même tour, Bakayo. Nous arrivons dans un moment pour le message de la parole de Dieu. Je dis à nous bien, ce Bérénice, petit homme. Bon Dieu, qui va bénir nos bébés. Bon Dieu, bénir. Merci. Evangelist Rose, son frère avec nous. Lila, Evangelist Rose. Bon Dieu, bénir. Nous connaissons un bon ami, soeur qui nous a bien voulu m'appeler. Nous campons pour applaudir la servante de l'éternel, notre soeur Grénice. Nous demandons bon Dieu pour pouvoir toucher, le garder, le protéger, le guider et servir avec nous, même j'en ai toujours fait déjà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mikosa, c'est pour vous. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Bon Dieu, bénis-nous. Ce n'est pas toujours une joie pour nous parler de parole, bon Dieu. Amen. Amen. Nous toujours contents. Et nous remercier le Seigneur pour bien faire lui, pour ça qu'il fait pour nous. Nous comptons et nous avons Bible avec moi. C'est dans psaume 34. Ah. Il y a le verset premier seulement, verset premier. Psaume 34, verset premier, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. N'a tout n'est plus blanc qu'on a. Le psaume 11. Verset 3, il dit, quand les fondements sont inversés, le juste, que ferait-il? Alors, ces questions, ça, nous avons pour nous aujourd'hui. Hein? Qui attitude nous-mêmes qui juste devant souffrance? Nous sommes dit, nous avons loué l'Éternel en tout temps.
louange li a toujours dans bouche nous. Et nous a parlé de fondement en verset. C'est-à-dire que qui attitude nous doit gagner face à la souffrance? Qui genre pour nous comprendre souffrance et nous capable analyser nous mettre là merci ces deux versets ça aucun délit et nous avons une lecture toujours pendant que nous avons parlé. Psaume 34 verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et nous sommes dans Psaume 11 verset 3 qui dit: quand l'affrontement sera versé, le juste que ferait-il? Nous capables d'aller encore dans Psaume, nous joignons, chargé avec bénédiction, chargé avec bon bagage. Psaume 113 verset 3, il dit: du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors, nous faut regarder. Si nous avons cherché une définition pour le mot fondement, et nous n'avons pas besoin de casser tête nous, en nous rester dans ça que nous connaissons dans la vie de tous les jours. Fondement, nous dit base, nous dit assise. Il y a parlé de les pères fondateurs de la nation, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'idées, un ensemble de réalités qui fait une bagaille vine, une croyance, une réalité, une religion par exemple. Tout ça, nous sommes capables de parler de fondement pour nous. C'est un ensemble de réalités, un ensemble de faits de croyance. Alors, qui ça qui ont fondement? C'est base, c'est assise, c'est frame, genre que l'anglais a déjà dit là. Bagay pour camper sous lit qui fait qu'on sent tout solide. Nous capables de fondement, et par exemple, nous disons ensemble de croyances. La famille gain fondement. La santé gain fondement, c'est absence de maladie, pas vrai? Alors toute bagaille ça est capable de renverser d'un moment à l'autre. Et leur arrivé, ça vient créer souffrance, ça vient créer anxiety et ça vient créer conflit. Ça même une fait poser tête aux questions sur manque de bagages côté qu'on est avant. Par exemple, qui question capable poser ou leur, par exemple, vous gagnez un petit tout mouche. Qui question capable poser tête ou leur mari ou bien madame mouri. Qui question capable poser tête ou leur une grosse catastrophe arrive dans la vie ou parce qu'on a vécu dans le moment pandémie ça nous dit que et catastrophe frappée car en pile famille des monde qui posait tête aux questions pour qui ça mon Dieu qui est arrivé pour qui ça question ça nous capable plus poser aucune bonne réponse nous capable même aller dans les écritures pour nous dire ça Jérémie 29 verset 11 dit il pas dit que l'Éternel a un plan pour moi plan de bonheur. Mais ça arrive dans la vie, est-ce que c'est bonheur? Nous capables de poser tête nos questions sur Psaume 34, verset 20, qui dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et puis nous capables de dire: bon Dieu va te délivrer, là. Bon Dieu qui t'est arrivé. Nous capables de poser tête nos questions que nous ne sommes pas capables de jouer une réponse, à tel point que nous-mêmes questionnons bon Dieu, nous blâmons bon Dieu. Nous mettez comme si là, bon Dieu de l'État. Nous sentons que nous trahissons à tel point que nous ne pas prier encore, nous ne pas chanter encore, nous ne pas exalter encore. Pas mon chant qui monte sous lèvres nous complètons dans la souffrance, nous complètons dans la difficulté, nous prenons le droit de couvrir tête, nous, le monde vient là, quand nous frappe contre nous, elle nous dit: go away! Get out!
Où était la souffrance là? Où était au complet la souffrance là? Mais question que psalmiste a posé, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire que le comportement normal, naturel, tout le monde, pas d'abri comportement naturel, l'homme juste. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est ça que je prêche dans le dernier message. La paix avec Dieu qui fait qu'on sent tout cas nouveau chanter. Pour ça, bon Dieu fait pour moi, je ne peux pas suspendre chanter. Pour ça, bon Dieu fait pour moi, quitter bouche, moi parler. Alors que une petite souffrance vini, une petite difficulté vini, nous suspendons chanter, nous fermons porte, nous ne pouvons pas recevoir monde, nous complaisons dans la souffrance. Alors, on nous analyse le comportement de serviteur, bon Dieu, peut-être nous sommes capables de prendre plus, qui t'est passé dans la souffrance, qui t'est passé dans la difficulté, pour nous voir qui gens que vous avez réagi. Et nous capables de voir tout. Est-ce que Jean nous comporte nous ou bien Jean que nous t'a doué comportement comporter nous, c'est bien. Avant nous faire ça, ça peut nous t'a doué connait en nous lire Romains chapitre 11 verset 34 avec moi. Romains chapitre 11, verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset ça, il montre nous que bon Dieu est souverain. Il est grand monde. Il fait salve. Alors, le pour a souffri, parfois, ou pas contre pour qui, il y a un pile monde. C'est la foi qui est bien ou dans le temps souffrance. Et ça fait que nous avons la foi. Et il y a des fois où même quand on arrive dans un moment de souffrance, on dit naïf, ou pas vrai, ouais, que c'est vrai. Par exemple, moi, songeais quelques trois ans de cela, j'ai gagné une nièce adoptive, bien sûr, qui a fait un major stroke qui était dans West Palm Beach. Marie n'a pas voulu prendre décision pour déconnecter la machine. Pour lui, pour qu'on parle. Moi-même avec ce moment, nous obligés de voler à la Floride, aller dans West Palm Beach, déconnecter machine. Mais avant que nous dérivions, il y a un cousin qui est arrivé dans l'hôpital là, qui voit que Pierre a fait mouvement, alors que Brendan, lui, nous dit, mais pourquoi Pierre a fait mouvement? Oui? Nous pétons louange dans la machine, dans la machine avant que nous arrivions. Mais nous arrivons, moi-même en tant que nurse, je suis arrivé, je garde Pierre qui a fait mouvement vraiment. Je me levé de là, son appareil, maintenant Pierre qui a fait mouvement. Et nous-mêmes, nous avons espoir que ça va changer. Mais ça va changer, c'est pas de volonté, mon Dieu. Et tu aller encore dans la même cause de souffrance. Nous tournons encore aller dans l'enterrement, yes ça. Mais toutefois, je regarde dans ce cercueil là, mais comme si moi-même je connais la plévée. Je suis venu sur l'enterrer pour moi, il va mourir, il va mourir, ce n'est pas vrai, bon Dieu, pas faire ça. Il y a un monde qui a dit toute faute lui pas donné devant. C'est un monde. Il n'a pas toujours fait ça bien. Il a fait deux petits mouns sans papa. Il a quitté deux petits mouns à Haïti. Il est venu ici pour un monsieur. Il a fait deux petits mouns encore. Mais c'est le ça. Dans le moment ça. Pendant que
li nan l'église, li marié, li ap enseigné nan l'école. Je dis, moi, c'est de ça pour bon Dieu plan. Ap mande pour qui? Parce que quand y a d'agazi ville, li range ville. Et puis après ça, m'pense, m'di, c'est nan moment ça, bon Dieu capable de juger nécessaire pour le prendre. Peut-être qu'il va vouloir quitter aller plus loin, égal pour tomber dans le péché encore. Alors nous remercions mon Dieu de ce que ces moments ça le prend. Des fois, on est capable de souffrance, mais l'organe de grandeur, mon Dieu, l'organe de sagesse, mon Dieu, on est capable de vivre joindre et on est capable de faire mon Dieu gloire dans mes temps de souffrance. C'est-à-dire que l'homme il réfléchit comme ça, bah mon Dieu gloire que le prend dans le moment que le prend là. C'est même gens avec Ézéchias, lorsque il t'a prié, mon Dieu t'a retiré l'homme à lui, mon Dieu retiré l'homme à, mais ça t'est venu passer, il t'est venu pécher après. C'est-à-dire que le bon Dieu font bagaille, il fait dans l'heure. Un grand monde, il fait salve. Alors c'est montrer que bon Dieu, grand monde, les souverains, il fait ça. Et on nous analyse, nous avons dit, nous avons analysé deux serviteurs que nous connaissons souffrance. Et depuis, nous avons parlé du premier monde qui a plus grosse souffrance que nous connaissons, pas vrai? C'est Job. Job. Nous connaissons l'histoire là très bien, c'est une grosse seulement. Et bon Dieu t'a dit, il y a un tel qui doit. Et Satan t'a guetté. Bon Dieu dit, on met touché, mais pas touché dans lui. Nous avons perdu toute sa dégaine dans un jour. Il a perdu tout bien que le dégaine. Dans chapitre 2, nous est même arrivé maudit jour que mon Dieu fait là. Tellement souffrit, tellement il n'a pas comprendre ce qui est arrivé là. Dans chapitre 2, verset 9 à verset 10, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. C'est conseillé ça à Adam dans tes balis. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons point le mal. Et tout cela, Job ne pécha point. Job, t'es intègre. Et puis, l'elle n'a mis en souffrance, mais madame ni a dit, maudit bon Dieu ça et mouri. À qui irions-nous? Qui côté nous pour aller? C'est où la parole la vérité? Si nous maudit bon Dieu, dans mi temps souffrance nous. Qui côté nous pour aller? Qui côté nous pour passer l'éternité nous? C'est bon Dieu nous gagne. Égal, c'est même gens pied bon en nan, faire bon en tomber, li arrêter accroché à pied bois, même si une sèche nous tomber pour nous rester accroché à bon Dieu nous. On nous continue encore pour nous être 100 millions. Et nous être dame, madame, ni. Le ou dame pour les encore. Les gars, faut mettre sous le doigt des gauches, vous avez. Et gars, pas où se compte. Là, on faut pour les encore. Les gars, faut mettre sous le doigt des gauches. Alors, et on nous quitte dame, non? Pour nous prendre ça en milieu de Dieu. Dans chapitre 4, dans verset 7 et verset 8, en milieu dit, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui périt? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ce qui laboure l'iniquité et qui sème l'injustice, moissonne les fruits. C'est-à-dire que, en bon français, c'est péché ou à payer la même. C'est sans faire ou à payer.
Ben Job, il connaît que il n'a pas fait rien. Mais ça n'empêche que le démon de mon Dieu vient maudit jour que le défaite là. C'est-à-dire que il t'a plaidé avec mon Dieu. Dans chapitre 6, dans verset 9 à verset 10, il dit qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Mais ça, Job te dit. Il dit, Zamilio, c'est la réponse qui te gagne pour te dire à Zamilio. Que bon Dieu, que si ça bon fait bon Dieu plaisir, que longe mère, que l'écrasé, comme vous fous. Que l'écrasé, que fini avec, même après à une consolation. J'aime transgresser l'ordre du Saint. Ça, c'est déjà. Mais nous-mêmes, peut-être nous ne sommes capables pas de dire ça. Nous sommes capables de joindre l'autre exemple toujours. Les gens qui fait ça qui n'est pas bon, par exemple, David, il te dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et puis dans Somme 32, il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. C'est-à-dire que son monde qui prend conscience, il connaît, il fait un bagage qui n'est pas bon, et puis il sentit que le péché, que le fait, fait que le pas à vivre, Zola prasé. C'est comme ça, juste la monde qui croit dans mon Dieu, l'un qui fait un bagage qui n'est pas bon, pas sans tout à l'aise là-dedans. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. C'est-à-dire, je m'ai crasé, mon la fièvre. Gagner, ça son question, son une conception erronée depuis mon a souffri que c'est péché le péché. Nous joignons Jésus-Christ est venu avec bagay ça dans Jean chapitre 9 verset 2, le que te gagnent un aveugle né et puis disciples ont posé la question ça Rabbi, est-ce que c'est parole ou bien lui-même qui t'est péché? Jésus dit, ce n'est pas parole, ce n'est pas lui-même qui est péché, mais pour que gloire à mon Dieu soit capable d'éclater. Nous là pour sa gloire. Et Jésus te prend la boule pour te passer sous les yeux. Avec là, il te dit la laver ou dans la piscine de Siloué. Et avec là, il te dit non, ouais. Ce n'est pas toujours le monde a souffri, ce n'est pas toujours que c'est péché le péché. Ça qu'on arrive, mais ce n'est pas toujours. Égal dans le cas de Job, il a souffri, mais ce n'est pas le péché qui a fait souffrir, même Jean, et Zamil, il a été couvert. Alors, pour finir avec l'histoire de Job, là, pour nous gagner l'autre serviteur pour nous prendre, dans chapitre 42, nous allons bien vite, dans verset 5, Job, lorsque mon Dieu vient poser Job question, et. Qui côté au théâtre, l'âme d'a fait ciel, l'âme d'a fait terre, qui côté au théâtre? Égal, Job rentré dans lui-même, il humilié devant mon Dieu. Dans le chapitre 42, verset 5, il dit, mon Dieu, je t'ai entendu parler de vous, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et ensuite, nous sommes capables, dans le chapitre 42, verset 9, verset 7 à verset 9, Zami yo qui t'a accueilli Job là, qui te dit yo comme ça, nous pas parler de moi, je vais continuer là. Avec équité, gens que Job lui-même lui était faire, en nous garder verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Thémas, de Thémon. Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis,
parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors, on y a là, ça pour garder. Là où est un serviteur a souffri, priez pour lui. Pas poser question pour penser que c'est souffri, c'est péché lui fait que la payer. Bon Dieu t'a réprimandé, Zami Jobio, et t'a même dit au verset 7 là, pour y aller pour Job, pour Job capable offrir sacrifice pour yo, pour prier pour yo, pour péché ça que vous avez fait contre lui-même et contre bon Dieu. Et pour finir avec l'histoire, nous connaissons que bon Dieu t'a venu rétablir Job, il va tout bien encore et puis il va le petit. C'est comme ça, Job t'a gardé l'intégrité dans la souffrance. Deuxième serviteur que moi, tu voulais parler de l'IA, nous joignons dans 2 Timothée chapitre 4. Ça nous dépend un exemple dans l'Ancien Testament, qu'on y a nommé dans le Nouveau. 2 Timothée, et nous, qui serviteur m'a parlé. 2 Timothée chapitre 4, verset 9. À verset 18. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti en Thessalonique. Crescente est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc avec toi et emmène avec toi. Et emmène-le avec toi, car il m'est utile dans mon ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu voudras, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. On nous campe là. Paul, serviteur bon Dieu, dans Actes des Apôtres, dans avant deuxième et avant que l'été entreprenne le voyage côté où t'as pas le mettre dans la prison, l'été quand t'as averti que vous allez mettre dans la prison et l'été prêt pour aller pour le tuer pour la cause de Christ. Après 30 ans ministère, serviteur a trouvé un vieillard que lui-même l'a trouvé dans la prison. Verset qui attire l'attention, c'est le premier mot dans verset 9 là, viens au plus tôt vers moi. C'est-à-dire que son monde qui t'a souffri de amitié ou bien de présence, Timothée Zamil. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a quitté pour l'amour du siècle présent. Et nous capables, joindre n'a pas juste dit en passant que Démas avec Luc, dans Colossiens 4, verset 14, nous joignons là que Paul a voyé salutation, il a toujours dit, mais nous avons voyé saluer. Par exemple, dans Philémon, verset 24, il a nommé Démas avec Luc. Ça veut dire que ces deux personnes étaient prêts
Paul, yo te kon nan ministère la ak Paul. Nan mi tan ministère la, ou kapab jwen moun ki ale, gen moun ki rete. Sonje, an pil moun pase nan l'église sa. An pil moun kite. Et des fois, on demande pasteur pour parler et tel, il dit ah mais pourvu que c'est pas l'évangile qui quitte. Paul dit des masses m'a quitté pour l'amour du siècle présent. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 malheur à moun qui mettait main dans charrua et qui garde derrière, moun sa li pa pop pour le royaume. Pa konnen, Demas ma kite a, sa semble que c'est Paul li kite. Nou pa kapab interpréter pour nous dire que li kite l'évangile, nou kapab interpréter pour nous dire li pa on apôtre encore. Mais nan moment Paul t'a souffri a, dans moment Paul te besoin là, il te levé d'ol l'aller. Pour qui ça c'est en Thessalonique l'aller. Nous pas connaît. Peut-être qu'il capable aller pour l'église qui mieux rémunéré ou bien dans question prêcher l'évangile pour en prison ça, il capable pas dire pas la donne. Alors nous pas connaît. N'a posé tête nos questions, mais c'est bon Dieu seul qui connaît. Mais nous connaît que Demas est allé quitter Paul et ça va faire Paul plaisir, il était en chagrin pour ça. Ça que nous t'ai dit encore dans verset 1, pour l'amour du siècle présent. C'est seulement le que vous été attaché à ministère pour connaître que l'amour du monde pas dans ou encore. Et c'est rester dans pied mon Dieu. Si que vous attaché au fortement à la parole ou pas virer ni à droite ni à gauche ou gain chance pour l'Éternel dit que bon et fidèle serviteur rentrez dans la joie de ton maître. Mais si vous quittez si vous allez déposer Paul, par exemple, nous avons Luc, qui était le médecin bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui était un apôtre, mais qui était comme si là, un beau prédicateur de l'évangile. Donc, on est Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, il a écrit les actes des apôtres, et là, nous suivons, nous voyons que il était toujours avec Paul. Et là, que nous pas avec Paul, nous sommes capables de voir que nous parler de Yo. Non, ben, si Paul, si là, ensemble avec Paul, il parlait de nous. Nous, t'es fait des bagailles. Nous, t'es rentré. Sinon, lui, il y a des apôtres, n'a pas compris. Alors, deux serviteurs, ça y est, démasqué, Luc, Rédé. Et nous, ouais, il souffrit de Timothée. C'est-à-dire que, les amis, Luc, t'es là, son bon ami, il est pour lui. Mais toujours rêve à Baou Timothée. Le Jésus était sur la terre. Il était un bon ami. Il était un ami, mais il était un plus bon ami. Jean. Compagnon, Paul lui a été quitté. Et verset qui était parlé. Verset 13, Noël dit, tu viens, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé. C'est-à-dire que son monde, non seulement il a souffert pour présence en milieu, même manteau le pas de pour te couvrir, n'a mis en prison fret. Et puis, il parlait de côté livre pour moi. C'est-à-dire que dans la prison, il a besoin de livre pour lui. Surtout par chemin. Il a besoin par chemin pour l'écrit. Si on a des choses qui sont écrites déjà dans par chemin, il a besoin de réviser. Alors, ça montre nous, on dit bibliothèque. Pas j'étais.
Dans nos quelques trois livres, pour nous, là nous avons mis un problème, nous avons mis des difficultés, nous sommes capables de conforter nous dans ce qui est écrit déjà. Page des bibliothèques, ça y est. Nous sommes capables de jouer le confort dans la parole de bon Dieu, dans le serviteur qui est écrit déjà. Et nous sommes capables de jouer le confort. Dans verset 14, on lui parlait de Alexandre Forgeron, on ne va pas trop rentrer dans ça. Mais, songez tout simplement, l'on a construit des gens qui ont détruit. Des gens qui ont raché Zeb en papier. Alors, que mon Dieu est capable de servir avec tout serviteur d'iniquité, qu'il a raché Zeb en papier, serviteur mon Dieu, ou bien qu'il a détruit ça que lui-même a construit. Et je me souviens d'un exemple, ça, dans l'église à Haïti, je suis enseigné à l'école du dimanche. Il y a une leçon que nous avons fait, il y a deux jeunes garçons bien qui ont posé des questions, que nous avons fait une leçon sur les adventistes du septième jour, tout originaux, qui sont que son secte, qui sont que prophétesse qui a parlé de lion. Et c'est ça pas biblique, vous comprenez? Ça c'est une prophétie extra biblique, vous comprenez? Tout le bagage ça que nous t'avons enseigné. Et puis lorsque je finis d'enseigner le son, je comprends, tout le monde comprend. Mais quelques temps après, ma poêle passer devant la cala, après les, me dit, c'est pas pas Jean Mouel, il dit, me fait mal d'ventiste. Alors ça t'a mis découragé. Après qu'on connaît, c'est pas où. Là où va bailler parole là, c'est pas où qui a convaincu le monde. C'est l'Éternel qui a convaincu. Des fois, on a construit, l'autre a détruit. Alors, c'est exemple ça pour des masses. Verset 16, dans souffrance, dans le toujours. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. C'est-à-dire que son monde lui paraît devant le juge, personne n'est pas venu pour dire. Oh, ça nous dit, il fait là, il pas fait vraiment. C'est un vrai serviteur. Et qui ça a été accusé? Il a été accusé de. Il a parlé monde contre la loi Moïse, il a parlé monde contre la circoncision. Mais ça n'a pas empêché que. Parole que nous avons dit, c'était bon parole. C'est-à-dire que. Yo pas mette vieux du vin dans vin dans outre neuf. C'est-à-dire que moun yo même yo te vle prend judaïsme collé avec christianité ou bien collé avec enseignement Jésus-Christ pour yo foncer. Yo pas marché. Yo pas mette vieux du vin pas bouche moi pas ka parler. Vieux du vin non, outre neuf, c'est-à-dire que l'a éclaté. Alors, Paul était mouru pour la cause de l'évangile, il était souffri pour la cause de l'évangile. Mais, ça que nous voulons dire là, pas arrêter dans la vallée des découragement, pas arrêter dans la vallée plein, pas arrêter dans la vallée de self-pity. Comme si la voix rentrait pour prendre pitié de tête tout seulement pour souffrance, ben là, il faut mal déplacer, rentrer dans la louange. Déplacer, c'est ça Paul te fait là. Elle dit, le Seigneur m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi. C'est-à-dire que l'été sorti dans souffrance. Il était fonti écarté de souffrance pour lui voir que il pas pour compte lui. Il dit personne ne m'a assisté. Est-ce que me dit personne va assister? Non. Jésus-Christ avec. Est-ce que me dit ça? Non. Jésus-Christ avec et il était fortifié. C'est ça chrétien, hein? Comportement chrétien, hein? L'heure où a souffri, c'est comme ça pour agir.
Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Rentrons dans la louange. Abat la souffrance. Abat le découragement. Abat l'abandon. La délivrance de l'Éternel est là. Libam, on chante sous bouchouin. Libam, on bagaille pour me dire. Libam, on occasion pour me piaffer, pour m'exalter, pour me louer, mon Dieu. Pas car rien n'échappe à son contrôle. Les grands mouns, ils font ça. Ils sont capables de quitter la souffrance, mais ils ont raison. Ils ne sont pas mouns pour poser des questions. Ils ne sont pas mouns pour dire pour qui ça. Pour blâmer. Pendant la pandémie, ça, il y a un pile de monde qui souffre. Dans les fureurs de l'orage, demeure en paix. Quoi seulement. Qu'est-ce que fois, même le pour où, bon Dieu va faire sens. Qu'est-ce que la foi, l'on va comprendre. Chanter, louer, prier, c'est ça, chrétien, à faire. Que bon Dieu bénisse. Amen. Oh Jésus, amen. Ça l'église dit? Amen. Amen. Nous disons que merci, Martin, pour parler. Dans cette tension, dans la maladie, on est plein. Et va bon Dieu, gloire. On est pas chier, on ne peut pas chier, on va abandonner. Et ma femme, c'est quoi? On est à couillère, on va parler à maman. T'as plein, t'as plus genoux. Je dis grand maman, pourquoi ma machine est allée mettre douce? Je dis grâce à Dieu, ma machine n'a pas de problème de beauté. Je dis beauté à ses cœurs. Je dis pas de problème de transmission de pensée pour moi, à respirer. Je dis alors penser, même pas de carreau, tout marcher pas d'argent pour mettre allée mettre douce. Je dis bon Dieu, fais pour vous, c'est pas panique, pour mon cas marcher, mais c'est vraiment manqué. So, on nous bat bon Dieu, on nous cas marcher à pied. Je dis même le plus haut format, nous monter l'escalier au dessin. Avec dit, je dis. Quand la machine est bonne, toujours quand on est en bon, dis bon Dieu merci à ces vents manqués, ou quand on est escalier, marcher. Ce bon Dieu fait merveille. Dans toutes circonstances, nous croyons que bon Dieu mérite gloire. Amen. Amen. Et pour nous terminer, nous avons chanté 14 créoles. Merci. 14 créoles. Laissez-moi vivre, Philippe Zahé. Laissez-moi vivre et. Mélodie joyeuse. 14 créoles, mélodie joyeuse. Et nous disons Dieu merci pour chaque monde qui met les mains pour aider les gens en Haïti. Nous connaissons que des années que nous avons fait ça, nous payons l'école et nous fêtons Christmas avec eux, toujours là, mais pendant deux années que nous ne sommes pas là. Et nous devons aider même, nous devons bailler même 200 enveloppes. Mais pour nous, ça a diminué, mais bon Dieu connaît. Et nous connaissons, bon Dieu a fait provision et nous disons Dieu merci pour chaque monde. Nous ne connaissons pas que ce n'est pas mauvaise foi que nous avons. Mais nous avons une bonne circonstance. Nous disons Dieu merci pour chaque monde qui fait ça. Et nous pouvons que n'importe ça lié, nous fait la joie de nous. Que mon Dieu va bénir nous et pas maintenant. Bouche point, vous passer, pasteur. Remercier tout le monde qui a fêté avec lui. Dimanche dernier, qui a continué à fêter avec lui. Et le monde qui a fait geste avec lui. Et remercier nous que mon Dieu est capable de continuer à bénir nous pour la gloire de Dieu. Amen. En nous camper, nous avons terminé avec 14 créoles, mélodie joyeuse. Les épreuves ont fini, nous demander pour qui. Nous besoin souffrir, cœur attristé, pourtant les autres ont tout et nous. Après, je suis même dans le péché, je me dis, puis le vent n'a pas mal pour qui. Et nous avons pris, après toi, le pasteur Joseph qui va prier pour nous. Et frère aujourd'hui qui va prononcer bénédiction. Et nous allons la caille pour la gloire de Dieu. Les épreuves ont fini, nous demander pour qui. Nous besoin.
une fois nous approcher devant vous pour nous dire merci pour grâce, pour faveur, miséricorde. Oh, merci spécialement de ce que tu permets matin, papa, nous te réunir ensemble, pour que, ensemble, vraiment, nous avons adoré, ou pas au gloire, ou ne louange, que même seul mérité. Et merci également pour bonne nourriture, papa, que vous voyez pour nous à travers Servantou, pour que vous faites nous connaître dans un moment difficile, en tant que chrétien, en tant que juste, comment nous allons réagir. Et nous réaliser, nous n'entendons même, nous n'entendons difficile, et côté réellement, papa, et l'homme a abandonné la foi. Oh, t'es déclaré la foi du plus grand nombre, il va refroidir. Et moment vraiment, on a vivé, et on a demandé au nom de Jésus, à la manière de ton serviteur, et apôtre Paul, et Job, et tout, et l'autre serviteur, papa, dans le moment difficile, de te réaliser au besoin pour aucun besoin fixé sur vous-même parce que la vie chrétienne n'a pas seulement composé oh seulement des délivrances seulement des grandes faveurs mais vraiment vous déclarer dans un moment difficile même gens vous dit eh bien Bartimée était aveugle c'est pas à cause de péché lui c'est pas à cause de péché parents mais c'est pour gloire non. Que l'Église est capable de comprendre parfois il y a des situations qui arrivent, eh bien vraiment, papa, son test qu'a fait sous caractère chrétien. Nous connaissons côté nous camper, comment nous camper. Eh bien, papa, un moment vraiment difficile. Mais nous demandons que cet esprit va toujours à l'œuvre et pour réellement réconforter s'il a eu qui a tristé. S'il a eu qui persécuté, s'il a eu qui emprisonné, s'il a eu qui dans des situations réellement de détresse, mais nous connaissons, même à votre Paul te dit, oh je puis tout par celui qui me fortifie. Et la mando va fortifier nous, va réconforter nous. Et s'il a eu qui commence à trembler, même décourager, va permettre de réaliser, papa, sans vous-même. Oh, il n'est pas capable de faire rien. Mais malgré situation difficile, c'est pour nous déclarer, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. L'Église nous compte sur vous, car l'Église, et personnellement, on entend ça, la persécuté, ennemi à attaquer sur tous les flancs. Et chaque chrétien, chaque servante, chaque serviteur, c'est le moment où on est que vraiment, nous avons besoin de secours, nous avons besoin d'un deuxième toucher, nous avons besoin d'une faveur spéciale, afin que, papa, pour nous pas réellement trembler, tomber devant une situation difficile, mais au contraire, nous va utiliser. Pour nous crier en avant parce que vous êtes déjà averti nous que le moment ça y a pour arriver. Avant de continuer à faire grâce, continuer à utiliser Servantou et pour ça, papa, à travers la parole et à travers voilé, on va continuer à parler, enseigner à peuple. Nous disons merci. Merci pour le bon moment que nous avons passé ensemble. Merci de ce que vous pouvez répondre à l'appel, aucun mot, comme d'habitude, car vous déclarez, côté nous deux ou trois réunis ou là. Et vraiment, nous connaissons depuis le matin, vous êtes là, et vous êtes toujours là, et vous allez accompagner nous, non seulement pour nous arriver dans la demeure respective, nous, mais également, papa, pendant toute semaine, tout mois, toute année, pourquoi pas, oh, jusqu'à ce que vous ayez nous dans la gloire. Apprends-nous, tant de plus que nous agissons, faire au-delà de ça que nous demandons, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la gloire qui appartient dans tous les siècles, le Père, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. De Corinthiens 13, verset 5. L'Éternel vous garde. L'Éternel vous dirige. L'Éternel vous protège. L'Éternel
sanctifie nous, Seigneur. L'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse abondamment. La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit, soyez de même sur chacun de vous, dès maintenant et éternellement. Amen. Allez en paix, faites du bien à tous et surtout à vos frères dans la foi.